J'aime tu vision, une très belle émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ne demandez jamais l'origine d'un homme. Interrogez-vous plutôt sur sa vie. Vous saurez ce qu'il est. Tu vision, c'est le show thème artistique, les couleurs du ciel d'ailleurs. Installez-vous avec ce clip de Wif Enigma, Fit Killer, occupé. Yeah. Ooh, 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 ooh. Quand un nom habitué Félix m'a rappelé qu'il a eu. Et tu le sais, yeah. Ok. Chérie, je suis occupé, je ne peux pas décrocher. On me rappelait. Je suis en volant, je ne peux pas décrocher. On me rappelait. Paris, Paris, papa, je peux pas parler. On me rappelait. Ouh, ouh, ouh. Rappelait. Ouh, ouh, ouh. Yeah, yeah. Tu vois mon téléphone sonne, je ne peux pas décrocher. Yeah, yeah. Je suis au taf, je pense, je suis vraiment. Chez les nanas, en train de lui faire plein de pouvoir. Mais moi je me bats pour de l'argent. Le téléphone a ringidi ringidi. Qui je vois c'est mon bébé. Le téléphone a ringidi ringidi. Qui je vois c'est belle maman. Tu passes tout le temps à me condamner quand je suis pas là. Je ne fais pas exprès, vraiment c'est pas de ma faute, crois-moi. Ne te fâche pas, bébé, je ne suis pas là. Pas tu te fâches, mais j'adore quand je te donne du cash. En plein business tu veux que je me casse. Arrête un peu bébé tu m'agaces. Yeah, t'amuses avec ma carte de crédit ma lady. Mèche brésilienne indienne, de quoi me fait perdre la tête. Tu es une vraie machine à dépenser, donc arrête de me stresser. Tu t'énerves toujours contre moi, mais jamais avec mon argent. Chérie je suis occupé, je ne peux pas décrocher. On me rappelait. Je suis en volant, je ne peux Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Tuvision. Tuvision, bonsoir pour vous ce soir, monsieur Yannick Kadira. Bonsoir. Oui, bonsoir, Veni Venance. Merci d'être sur Tuvision. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est qui Yannick Kadira? Bon, Yannick Kadira, c'est un homme très simple qui est un photojournaliste depuis des années et qui évolue dans le monde de la photographie. Alors, comment ça se passe? Comment on distingue un photojournaliste et un photographe simple? Bon, un photojournaliste, c'est celui-là qui est en mesure de prendre une image qui parle. Il véhicule un message à travers son image. Alors que le photographe simple, bon, c'est celui qui fait des photos pour des cérémonies. Bon, je vais dire, il n'a pas besoin de faire diffuser sa photo, de faire passer sa photo dans une presse. Alors que l'autre, il prend l'image et il doit accompagner le journaliste a illustré son article avec l'image. Donc, comme on le dit souvent, l'image déjà représente plus de 50% du message véhiculé par le journaliste. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce secteur? Dites-nous un peu l'amour pour ce métier. Oui, je vais dire d'abord que c'est un don. Et puis, il y a la passion. Et il y a l'endurance. Votre parcours. Oui, j'ai commencé la photographie depuis le cours primaire, quand je faisais la classe du CE2. Mon père s'y opposait, jusqu'à ce qui m'a même amené à la brigade des mineurs à Lomé pour m'enfermer. Et pas fini, il a compris, bon, il m'a laissé avec les activités coopératives dans les collèges. J'ai continué avec ça. Et voilà, aujourd'hui, Ange Nyakadia est devenu un photojournaliste dont tout le monde parle.
Au collège, dans les activités coopératives, j'avais fait le séjour de Natitengu et j'avais des documents que je fouillais, que je lisais. Donc je donnais des cours et vraiment ça m'a donné le courage de continuer parce que j'étais dans le temps sollicité par les préfets. C'était le Adolphe Biaou qui était le préfet dans le temps. Après le collège, je suis rentré à Cotonou. Bon, à Cotonou, je continuais s'il y avait des choses. Des fois, je quittais même le nord, je venais juste pour faire des photos à Cotonou pour repartir. Et j'ai un oncle qui est photographe, Donatien Nyakaya, qui a vu en moi un talent et qui m'a pris pour dire, bon, je préfère que tu m'accompagnes dans mon studio. Tu es déjà professionnel, je vais dire, mais accompagne-moi. Et j'ai fait avec lui, c'est lui qui m'a donné le diplôme parce que je connaissais pratiquement tout. Aller tirer les photos noir sur blanc, faire le développement noir sur blanc, tout ce que je connaissais déjà. Donc lui m'a donné le diplôme, bon, j'ai persévéré. La presse béninoise, je vais dire la HAC m'avait aidé dans le temps. La HAC m'a aidé parce qu'il y avait une formation qu'on devait donner aux journalistes de la presse écrite. Donc je faisais partie de ceux-là qui étaient sélectionnés parce qu'en temps, le matin m'avait récupéré déjà dans les années 95. Vous avez travaillé à Le Matin? Oui, j'ai travaillé à Le Matin. Déjà en 1995, j'étais déjà à Le Matin avec les Charles Toko. Donc j'ai bénéficié de cette formation. Je suis allé à Dakar et j'ai reçu ma formation à Sesti. Je suis venu toujours dans la persévérance. J'ai reçu la formation de l'Université de Lille de France. J'ai reçu beaucoup d'autres formations. Ange Nyakaya, bon, comme vous le voyez, c'est quelqu'un, je vais dire que je suis un peu têtu. Têtu en quel sens? Pas dans le sens de la médiocrité, mais dans le sens de la positivité. Parce que faut jamais dire Ange, ne va pas chercher les images. C'est que tu lui lances un défi, il va s'arranger pour aller chercher les images. S'il trouve l'issue d'être sur les lieux, c'est que Ange a les images. Je n'ai pas besoin de mettre mon appareil à l'œil avant de prendre les images. Même dans ma main, je prends l'image. Et la seule chose qu'on ne peut pas refuser, hein, c'est de le séparer de son appareil photo. Vous utilisez quel genre d'appareil photo? Quelles sont les caractéristiques fiables pour faire des jolies photos? J'ai toujours dit à mes élèves, je dis au passage que je donne des cours dans les universités. Pour aller sur un reportage, il faut savoir ce que tu vas aller faire sur le terrain. Et c'est compte tenu de ça, tu sais quel matériel prendre et quel objectif prendre avec toi pour aller sur le terrain. Il ne sert à rien de prendre un objectif 200 à 400 mm alors que tu vas juste pour un séminaire, tu vas juste pour un truc, peut-être visite d'un chef d'État. Non, ça ne sert à rien de prendre. Visite de chef d'État, parlons-en. Il y en a eu plein? Oui, oui, oui. Le dernier qu'on a eu, c'est le président François Hollande. J'y étais grâce à Talifiani, la paix du palais. J'ai visité beaucoup de pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Mais le reporter d'image, c'est le premier. C'est lui qu'on donne plus de facilité à avoir l'image. C'est pas le cas ici? Non, non, ce n'est pas le cas. La toute dernière fois, qu'est-ce qu'on a remarqué? On est chez nous. Les gens arrivent, mais on leur donne plus de facilité à faire des reportages par rapport à nous autres qui sommes dans le pays. Le général, le chef d'état-major vient de m'appeler ce matin. Il m'a dit félicitations. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à lui faire une photo avec le président français. Et je suis allé, je ne l'ai pas vu déposer la photo, il m'a appelé, il était content. Alors qu'on nous empêchait, je ne suis pas resté dans la sécurité à un moment donné. J'étais obligé de quitter pour juste aller prendre quelques photos, souvenirs pour des gens. Parlons de la Coupe du Monde, vous étiez à la Coupe du Monde déjà? Oui, oui, j'ai fait plusieurs Coupes du Monde. À mon natif, j'ai fait 4 Coupes du Monde. J'ai fait une Coupe du Monde des juniors, j'ai fait une Coupe du Monde des cadets. Et j'ai fait 2 Coupes du Monde des seniors. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Brésil, la dernière Coupe du Monde. J'ai fait les Jeux Olympiques à Londres. Et j'ai fait 8 Coupes d'Afrique. Donc bon, en bref... Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce service-là? C'était en 2008, quand un ami camerounais, Jean-Marc, me disait que « Mais Béninois, toi tu viens toujours à la Coupe d'Afrique, tu viens toujours à la Coupe d'Afrique. Ton pays ne vient jamais. » Et j'ai dit « Aujourd'hui, mon pays est venu. » Et au lieu que les gens me désignent pour aller faire d'autres matchs, j'ai préféré faire les matchs de mon pays parce que je voulais être patriote. Et je suis resté, au lieu d'aller prendre l'argent ailleurs, j'ai dit je préfère rester là. C'était où? C'était à Accra. Et là, bon, lui aussi, mon ami, au lieu d'aller faire d'autres matchs, il est venu me soutenir.
Là, c'était un plaisir pour moi. Et ensemble, on est resté tout comme si nous tous, nous étions des Béninois, on a travaillé. Parlant d'autorité politique, qui vous a reconnu? Qui a reconnu ce mérite en vous? Ouais, parlant d'autorité politique, je remercie vraiment le ministre Koudé. Le ministre Koudé et après le ministre Mondès Kérékou. Ma première Coupe du Monde, je devais aller en Hollande. C'était la Coupe du Monde des juniors. Laissez-moi vous dire au passage que c'est moi-même qui achète mes billets. Les frais d'hôtel, tout, c'est moi-même. Aucune autorité ne m'achète directement de son ministère, de son département. Mais si je dis, je remercie le ministre Koudé, lui, en tant que Valentin Aditi Koudé, m'accompagne. Pourquoi je le dis? Je suis un reporter sportif. Sinon, je suis un photographe de presse. Mais à quoi ça sert d'aller à un événement, faire une partie de l'événement et rentrer chez soi? Vaut mieux rester jusqu'à la finale. Parce que tu vas à une compétition, tu ne fais pas la finale, la remise de trophées, remise de médailles, tu ne fais rien, tu rentres chez toi. Mais tu es allé en balade. Vous restez. Moi, je reste toujours jusqu'à la finale. Je reste toujours jusqu'à la finale. Parce que c'est ça, c'est à partir même des quarts de finale que vous avez de bons spectacles. C'était en 2010, j'étais en Afrique du Sud. Sur la liste, j'étais en 12e position. Et quand on commence par citer les noms, on arrive à Ange Nyakadia, on laisse, parce qu'on voit Bénin, on laisse, on va appeler un Japonais, on appelle un Brésilien, on appelle un Français. Et à un moment donné, j'ai dû taper du poing sur la table. J'ai dit, mais la Coupe du Monde, d'abord en Afrique du Sud, c'est pour les Africains. Mais si les Africains sont là, j'étais avec mon ami Nolet Tadeyon du Togo, si les Africains sont là que vous ne voulez pas leur donner de badge, pourquoi vous nous avez donné leur d'accréditation? Parce qu'une fois, une chose est d'avoir d'accréditation et l'autre d'avoir un ticket pour avoir accès au stade. Et par match, il y a 200 photographes. Et juste là, on ne fait que citer les autres. La Côte d'Ivoire y était, ils ont cité les photographes de ces pays-là. Mais nous autres, qui n'avions pas nos pays là-bas, bon, on nous laissait, on continuait. Et j'ai dit que je vais écrire à la FIFA et je vais mettre sur le net que ce n'est pas normal qu'on nous refuse les tickets alors qu'on est dans l'accréditation pour venir, que c'est de la discrimination. Ah, quand j'ai dit ça, ça a piqué la dame et puis elle a cherché à me voir. Elle dit, ah, tu m'excuses, hein, toutes mes excuses. Et voilà. Et elle m'a réservé un badge. J'ai fait tous les matchs que je voulais faire jusqu'à la finale. C'est moi qui ai fait même des matchs à la finale. Je suis venu, j'ai versé l'image aux autres qui ont pu récupérer ce qu'ils veulent dedans. Et c'est comme ça le travail a été. Ange Nyakadia, merci d'être sur Utivision. On vient de suivre le Voice Populi, notre artiste du jour. Vous avez vu, c'est une dame, c'est Koudi. Alors, vous aimez quel genre de musique au Bénin et en Afrique? Bon, au Bénin, j'aime l'artiste Gigi Lapineau. Maintenant, si je sors du Bénin, j'aime à côté ici, j'aime King Messon. Alors, photojournalisme, quelque chose qui vous a marqué? Vous avez fait des grands matchs, vous avez fait des grands événements. Qui était votre modèle à l'époque? J'ai un ami qui s'appelle Vincent, c'est un Français. Quand je vais sur les reportages et qu'il est là, surtout sur les reportages à l'échelle internationale, quand il est là, je prends plus de temps à l'observer, à voir comment il travaille, la finesse qu'il a dans son travail. Bon, il y a un autre grand monsieur que j'aime aussi, qui m'a toujours conseillé, c'est Idi Amel. Idi Amel. Alors, est-ce qu'on vit de ce métier-là? On vit de son métier si on lui donne une considération et on prend du sérieux avec. On va y revenir à M. Ange Nyakadia. Merci d'être encore avec nous. On vient de suivre le Voice Populi de Koudi. Oui. Vous avez vu, les gens ont fait un témoignage sur cette dame de la musique béninoise, une fleur de la musique béninoise, une fleur montante. Alors, vos impressions? Oui, Koudi, je l'apprécie et je veux qu'elle monte vraiment au sommet. Et pourquoi pas comme Angélique Kidjo, si possible, même dépasser Angélique, parce que quand vous voyez, je vais dire, c'est une bête de scène. Quand vous la voyez jouer, chanter, c'est-à-dire... En plus, elle joue de la guitare. Elle joue de la guitare. Donc, c'est-à-dire, vous êtes emporté. Nous venons de suivre la découverte artistique, vous avez vu, elle est spéciale, cette dame. Elle joue de la guitare. De la guitare, puis elle est dans tradit moderne. Quand vous comprenez Yoruba, je ne comprends pas, mais... Vous sentez, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle véhicule des messages. Et elle-même, quand elle prend la guitare, c'est que vous êtes sidéré. C'est formidable. On se retrouve l'Afrique, on retrouve notre pays. Oui. On sent du peu de traduction. Et c'est pas parce que les autres font du dombolo, les autres font du makossa. Je vais aussi faire du dombolo, je vais faire du makossa.
Mais il ne sert à rien que dans notre pays, qu'on ne puisse pas dire que c'est tel rythme phare que les artistes font. Chacun va de son côté, l'autre fait du reggae, l'autre fait du quoi, du jazz, et puis tout ça là c'est importé. Alors que elle, l'autre, c'est nature. Épuise. Voilà. Épuise. Et je lui souhaite bon vent. Merci d'être avec nous. Alors Koudi, j'espère que vous suivez avec nous. Angina Kadja, vous souhaite bon vent et du courage et beaucoup de succès à vous. Angina Kadja, est-ce que la musique accompagne vos sorties, vos mouvements? Ouais, quand je voyage, ma femme peut, si elle était là, elle peut vous témoigner. Je mets toujours la musique béninoise dans ma valise. Je prends, il y a Metok, il y a Vifint, il y a Sagouran, il y a Gégé Lapino, il y a tout ça là. Je fais une série de musique béninoise. Et c'est ça qui fait que le séjour même, je trouve ça très cool. Votre apport personnel? Oui, mon apport personnel, les artistes par exemple, quand ils font des spectacles, si je suis là, quand je fais les photos, je leur donne. Moi, c'est ma manière de les aider. Je fais les photos, je dis bon, moi je vous accompagne. Maintenant, si vous voulez faire des clips, que vous avez besoin de moi, appelez-moi. Moi, je vous fais des photos pour vos pochettes. Mais il faut que l'artiste vraiment soit quelqu'un qui travaille. Par exemple, je vais vous dire, quand j'étais en temps à l'extérieur, quand elle est rentrée, quand elle a fait son concert au Stade de l'Amitié avec les Nigériens, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, je viens, je te couvre le concert. C'est votre apport personnel? Moi, c'est mon apport personnel. L'autre apport, c'est que je demande à ceux qui piratent là, je leur dis, mais c'est pour tuer, vous tuez les artistes. Quand vous piratez, vous les tuez. Au lieu de pirater, de vendre à 300, à 500. Non. Allez négocier avec eux, ils peuvent vous laisser ça à un prix abordable et vous vendez, vous faites leur promotion. C'est encore un autre appui que je leur apporte. Merci infiniment, merci d'être passé sur TuVision, merci, votre apport est louable. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Angina Kadja, il est photojournaliste, il fait des grands événements, il était à la Coupe du Monde en Afrique du Sud et au Brésil. Au Brésil, il y avait un dîner de gala où les journalistes devaient rester sur les mêmes tables avec des gens de la CAF, les joueurs professionnels, tout ça là. Donc, moi, j'ai eu la chance de me retrouver sur la même table avec Platini. Et il y avait de l'autre côté, il y avait Okocha. Michel Platini, Okocha. Et c'est là que Okocha était devenu mon ami. Parce que je lui ai dit que je suis du Bénin. Okocha voulait même me bloquer pour un match. On a fait un match contre le Nigeria. Et il a dit, tu ne fais pas de photos. Au Béninois, tu fais uniquement pour les Nigériens. Dis non, je suis patriote, je fais Béninois et Nigérien. Vous êtes à côté, on est à côté. Et Bonaventure Kodian sait quelque chose. Parce que je me rappelle quand il a fait le millième but, on voulait lui donner le chèque, mais il a stoppé l'événement. Il a dit si moi je ne rentre pas sur la pelouse, il ne prend pas le chèque. On m'a fait rentrer de la tribune, on m'a fait rentrer et l'événement a continué. J'ai fait les photos. Donc moi je dis la jeunesse n'a qu'à travailler. Chers amis téléspectateurs, notre invité s'appelle Angina Kadja. Vous êtes photojournaliste, merci d'être avec nous. On veut suivre le classement des films d'ici d'ailleurs. Vos impressions, les conseils? Moi, je vais demander aux cinéastes de se fédérer pour pouvoir produire un truc, pour aller par exemple au Burkina, aller sur FESPACO et voir s'ils peuvent même être premier, deuxième, troisième sur le plan africain avant de chercher à aller sur le plan mondial. Donc on a de la valeur, mais chacun veut tirer le droit de son côté. Moi, je travaille avec mes collègues, on se parle. Des fois, on se dit, bon, toi tu fais telle langue, moi je fais telle, après on se retrouve, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, c'est le conseil que moi j'ai à leur donner. Maintenant, sur le plan africain, vous allez voir, il y a les Ivoiriens qui ne sont pas mal, il y a les Burkinabés qui ne sont pas mal. Et ici, je me demande combien d'artistes qu'on a au Bénin qui a une maison de production. Chacun se lève, il reste dans sa chambre. Sujet à l'eau. Oui, et puis, alors que les autres, avant de sortir un truc, ça, c'est-à-dire, il y a tout un parcours. Et avec ça, quand il y a déjà des défauts, des failles quelque part, automatiquement, ça se corrige. Et puis le produit est bon. C'est concurrentiel. Moi, je préfère que les nôtres, quand même, arrivent à imiter un peu ce que les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, qui ne sont pas mal. Il faut qu'ils travaillent. Oui, il faut qu'ils travaillent. Chers amis téléspectateurs, notre invité s'appelle Angina Kadja. Merci d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste, grands événements, Coupe du Monde, Afrique du Sud, Brésil, plein d'événements avec les chefs d'État. Merci d'être sur TuVision. Merci infiniment. Notre invité a le choix d'un clip. Vous aimez quel clip africain, béninois? Vous aimez quel clip? Il y a Tite de Gégé Lapino que j'aime. Tite, Gégé Lapino, c'est parti. Thank you.
mon oyon nous mène los entiers. Nous courons yon nous mène los entiers. Oh oh oh. Anaï nous n'a l'eau à caméon. Pombo diawezou nous. Anaï nous n'a l'eau bâton à la méon. Pombo diawezou nous. La vie appartient à ceux qui se lèvent d'eau. Anaï nous n'a l'eau bâton à la méon. Pombo diawezou nous. Incessamment. Alors mon frère semble lâche. Réveille-toi. Quand on est sûr de soi, on finit par se rattraper. Alors mon frère, assume et lève-toi. Les grands de ce monde, c'est parce qu'ils n'ont rien lâché. Si tu veux y arriver, il faut beaucoup travailler. Sébastien Diabon, Magadé Nouga, Aliko Dangote. Angina Kadia, photojournaliste, merci d'être en Sud-Division. Nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez vu sur Sud-Division? Qu'est-ce que vous avez vu? Denis Venance, moi, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a ici, il y aura même une subvention pour toi. Mais il faut que les gens pensent à encourager les jeunes tels que vous. Parce que l'émission est suivie un peu partout dans le monde. On n'a pas besoin d'être politicien avant de dire, bon, venez. Et quand le politicien arrive, il a 1000 personnes ici, il dit, bon, ces 1000 personnes-là vont voter pour moi. Non, ce n'est pas ça. C'est les gens comme vous qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Je vous encourage et je vous demande beaucoup de succès. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Angina Kadia. Il est photojournaliste et il a été à la Coupe du Monde. Il a fait plein d'événements. Merci infiniment. On se quitte avec ce clip de Zainab de Tommy. À bientôt. À samedi prochain. Sinon vivre, d'autres migrantes.
Jamais rien n'emporter avec lui. Si son tagué, oui, ni d'aucun d'arroulant.